Chers amis, bienvenue pour ce 60e, cher Frédéric, déjà 60e numéro de notre perle de culture. Et tout de suite, nous filons au cinéma tous les deux, sans Anne, qui n'est pas encore rentrée de vacances en ce premier jour de rentrée, ou ce deuxième jour de rentrée post-Louis XIVe, puisque le feu roi faisait tous les titres hier. Et alors, nous commençons avec un bon programme cinéma, mon cher Frédéric, cette année. Beaucoup de films, mais la qualité, on va en parler. Sont très mauvais. Et pour les amateurs de films d'action qui veulent commencer l'année sur les chapeaux de roue, quelques films à voir ou à ne pas voir. Frédéric, dites-nous. Alors, moi je dirais, je suis très mitigé sur un film qui s'appelle No Escape, avec Owen, avec Pierce Brosnan, qui est très bon dans le film. Est très bon dans le film. Alors ça fait partie de ces films classiques d'espionnage, enfin pas d'espionnage, d'action, qu'on a déjà vu, c'est-à-dire c'est la famille, le père, les deux petits-enfants et la mère qui se trouvent dans un pays qui doit être grosso modo le Cambodge, hein, quand on voit, mais c'est un pays asiatique dans lequel il y a une révolution sanglante, anti-américaine, et bon, donc leur vie est en danger. Alors il y a de l'action, il y a des hélicoptères, il y a tout ce qu'il faut, sauf que ce qui gâche ces films-là, c'est que de temps en temps, il y a des choses invraisemblables. Et l'invraisemblabilité fait que moi, personnellement, je décroche et ensuite, j'allais dire, je ne suis plus capable de juger le film parce qu'on a mis un paravent devant moi. Quand, par exemple, il est là, il doit sauter sur un immeuble en face, il demande à sa femme de sauter, je veux dire, je pense que normalement, elle serait tombée entre les deux immeubles, et qu'ensuite, il lui balance les deux gamines, et que tout le monde s'en sort très bien, je veux dire, maintenant, c'est le tapis volant, quoi. Ah, mais vous savez, Pierce Brosnan, c'était James Bond, hein, donc il est capable de... C'est pas lui, là, c'est pas le rôle principal, lui, donc c'est pas lui qui le fait. Mais je veux dire, donc, ça, avec les gamines, etc., ça tient pas trop la rampe, et ça, c'est dommage, parce qu'il y a de l'action, c'est pas désagréable, ça se voit. Mais je suis mitigé à cause de ça. Alors un deuxième film qui est aussi assez décevant et qu'on a vu tous les deux, c'est un film français et ça s'appelle Anti-Gang. Frédéric, votre avis ? Je serais beaucoup plus méchant. D'abord, je pense que Jean Reno, il est un petit peu has-been. Ça n'a jamais été pour moi un grand acteur, un grand comédien en tout cas, c'est un acteur. Il a la chance d'avoir une stature, il a une très belle voix, il a un physique. Mais il commence à vieillir un peu, mais quand on le voit marcher, il est un peu voûté, etc. Ça va pas très bien. Bon, ça, c'est sur l'acteur. Ceci étant, le film est totalement invraisemblable. Alors, on peut dire en deux mots l'histoire. Hein. Absolument, c'est l'histoire donc, d'une équipe de policiers français qui travaillent donc à l'anti-gang, hein, donc cette brigade qui lutte contre la grande criminalité. Brigade un peu à part, donc dirigée par Jean Reno, qui est donc le vieux loup solitaire, hein, donc un peu le capitaine ad hoc. Qui ont leur petit commissariat très diversifié, je veux dire très politiquement correct. Hein. Oui. On a à peu près toutes les couleurs. Évidemment. Voilà. Mais dans cette équipe, ils ont l'habitude d'avoir des méthodes dites à l'américaine. Donc il y a notamment le petit blondinet qui est devenu un formidable flic et qui lui attaque les méchants à coups de batte de baseball. Et oui, ça se frappe en garde à vue, ça se rentre dedans à coups de voiture. Enfin bref, on appelle ça des méthodes non orthodoxes. Autant vous dire que c'est absolument pas crédible du début à la fin pour toute personne qui a déjà rencontré un policier dans sa vie. Et surtout quand on sait comment, à l'heure actuelle, ils sont surveillés. Absolument. C'est-à-dire qu'à la moindre petit bleu, la personne prend l'avocat et il y a la police des polices, tous les enregistrements sont avec des caméras. Et là, vous avez quand même une scène qui est quand même hallucinante, de voir un des flics qui est un noir, là, qui tient le gangster, entre guillemets, par les pieds, en haut d'un immeuble, et qui le menace de le lâcher. C'est, non mais attendez, on verra. Je sais même pas si on voit ça en Amérique du Sud. Donc vraiment, non seulement c'est peu crédible, mais en plus de ça, il y a des gens qui sont quand même simples, qui vont prendre ça en premier degré. C'est une très belle image d'une certaine police française qu'on donne. Je trouve ça totalement inadmissible. Moi, ça m'a rappelé... Même si les flics font de temps en temps des bavures, etc. Mais enfin, c'est, à ce point-là, c'est quand même dément. Ça m'a rappelé des films comico-policiers américains des années 80, un peu à la Starsky et Hutch. Sauf que ça ne veut pas être comique. Dessus, etc. Mais là, ça se veut sincère. Se veut sérieux. Alors, en plus, l'intrigue est d'un niveau qu'on peut qualifier de relativement médiocre, puisque grosse originalité, il y a un méchant qui veut cambrioler une banque. Waouh! On n'avait jamais vu ça au cinéma. Bah, y avait le choix entre la bijouterie ou la banque. Hein. Et bah là, il fait les deux. Capital. Alors par contre, non, le méchant est suédois. Ça, c'est du jamais vu. Ouais. Et c'est un terroriste international qui veut donc cambrioler une banque. On est un peu loin des intrigues à la James Bond.
Et donc, pour ça, il y aura toute une série d'attaques, de jeux pour déjouer la police. Et la police, évidemment, se fait avoir au départ, mais grâce à Jean Reno, qui est un super flic, évidemment, marginal, qui n'a pas vraiment de chez lui, qui sort avec la femme de son patron. Enfin, ouais, tout ça est un peu... Les petits à côté de la sauce. En même temps, son patron a l'air de bien savoir et dire oui. Bon, on le considère comme des méthodes peu orthodoxes, mais ça ne gêne personne, ça continue, non, quoi. Voilà. Alors, on peut torturer les gens quasiment sans aucun problème. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé assez dommage aussi, c'est qu'il y a des petits moments pseudo-comiques, notamment cet adjoint de Jean Reno dans le film, qui est le blond, un peu le beau gosse du film, dont la femme est enceinte, et donc chacun, elle fume en cachette, lui fume en cachette, et puis à la fin, donc je passe les détails sur le moment tragique de la fin, où grosso modo, là encore très original, les gentils gagnent. Donc c'est vraiment un film très audacieux. Et juste à ce moment-là, il perd son portable et on voit que sa femme essaye de l'appeler 30 ou 40 fois parce qu'elle est en train d'accoucher et lui est en train de célébrer avec ses amis. Mais je pense que les scénaristes ont dû être très contents de ça. Je vois bien, il y a une minute comme ça, très originale, extraordinaire, par rapport à tout le reste qui ne vaut rien. Enfin, c'est une façon de... Je ne sais pas si Jean Reno devait payer la restauration de sa maison ou si le scénariste avait besoin de payer une grosse pension alimentaire. En tout état de cause... Ça fera difficilement un film qui reste dans les mémoires, ça a le seul mérite d'être français. Oui. C'est assez rarement le cas pour les films d'action. Et si vous voyez sur l'affiche, il y a marqué que c'est un film jouissif, dit Skyrock.com. Alors, quand on connaît quand même le niveau de Skyrock, la jouissance de Skyrock n'est peut-être pas à recommander à nos téléspectateurs. Donc, vous pouvez très bien attendre que ça passe à la télévision et ce soir-là, regarder une rediff de Des Racines et des Ailes, voire de Thalassa, ce sera encore mieux. Et en plus, j'ai fait la publicité du service public, vous voyez. Je devrais peut-être avoir une médaille de notre ministre. Alors, autre film d'action qui lui est quand même d'un calibre bien supérieur, c'est Mission Impossible, oui, qui s'appelle cette fois The Rogue Nation. Ce qui est assez, une fois de plus, un peu scandaleux, c'est-à-dire ces titres américains qui ne veulent pas traduire, parce qu'en français, la traduction, c'est un état voyou, l'état voyou. Mais il n'y a rien à faire, maintenant, je le vois depuis des années, la plupart des films nous sont balancés avec les titres anglais, et la profession ne dit rien, on se laisse totalement bouffer. Par ce qui est tout à fait audacieux, c'est que, en fait, la première partie du titre, qui est Mission Impossible, est en français, puisque en anglais ça s'appelle pas Mission Impossible. Absolument. Mais pour faire un peu plus américain, et au lieu d'appeler le film Mission Impossible numéro 4 ou 5, parce que on ou Mission Impossible est à voyou, quel est le numéro, on appelle ça The Rogue Nation pour faire un peu plus, voilà, comme Batman. Et je voudrais savoir le nombre de spectateurs qui vont savoir ce que veut dire The Rogue Nation. À mon avis, Rogue, aucun. Voilà. Mais le film est relativement plus intéressant en termes de scénario que ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. C'est une franchise, en fait. Voilà, puisque grosso modo, on a les gentils, incarnés par le fameux Ethan Hunt, qui est le héros récurrent de Mission Impossible, que tout le monde connaît si on a vu les films, qui va être confronté à un grand méchant qui essaye globalement de prendre le contrôle du monde à travers la prise de contrôle sur l'ensemble de missions impossibles, c'est-à-dire sur l'ensemble des services secrets de différents pays, en créant une organisation parallèle qui est un peu l'équivalent du Spectre, de James Bond des années 70. Ceci étant, le scénario, je dirais pas qu'il est abscon, mais il est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, alors c'est à mon avis très Mission Impossible, avec des gens qui jouent double jeu, qui se révèlent à la fin, avec aussi quelques figures de style un petit peu évidentes qui sont très américains des années 80, avec notamment la fille qui joue double jeu, qui est une méchante, mais qui quand même la fin se rallie. Vous voyez, j'ai vu l'autre jour un épisode d'une vieille série qui s'appelait Amicalement Vôtre, notamment cet épisode où Brett Sinclair découvre que sa maison est occupée par des gens et essaye de savoir pourquoi, et donc il y a la méchante qui s'appelle Chloé Sadler, si ma mémoire est bonne, qui refusera d'aller jusqu'au meurtre et qui va sauver le gentil Brett Sinclair, alors que les hommes, eux, sont des méchants qui vont jusqu'au bout dans leur démarche criminelle. Donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu différent.
Il y a évidemment beaucoup de cascades. Hein. La première, c'est donc le héros qui est joué par cet acteur que tout le monde connaît et qui est l'ambassadeur mondial de la scientologie. Cette histoire de cascade, on nous rabat aux oreilles en disant « il fait toutes ces cascades ». Alors je veux bien, mais il ne faut pas être dupe. C'est-à-dire que quand il est dans un avion, sur l'aile, ou qu'il est à la portière et que l'avion démarre, bon, effectivement, on fait peut-être démarrer une maquette ou un avion, il se tient, puis ensuite on accélère, etc. Donc, cascade, entendons-nous, quoi. Oui. C'est vrai, quand il y a des performances physiques, il est capable de les faire. Mais la plupart des cascades, ce sont des montages, et c'est un peu bidon. Évidemment, bah, sachant que... Bon, il se met en valeur. On est très loin des cascades à la Belmondo, hein, qui lui-même montait à l'échelle d'un hélicoptère, puisque là, la première, c'est même quand même... Même s'il avait un câble, qu'on ne voyait il pas, avait mais quand même... La première, c'est quand même donc le fameux Ethan Hunt, hein, qui est... qui veut prendre d'assaut un avion qui est en train de décoller, donc il est accroché à l'aile, et il arrive à se trimballer le long de l'avion, pendant que ses amis à distance vont ouvrir la porte de l'avion pour monter dans l'avion. Et se trompe de porte. Alors l'humour est un petit peu lourd, c'est à l'américaine. Hein, c'est parce un que là, bourdingue. J'avoue que personne ne rit dans la salle quand on voit... Non. Moi, je l'ai vu en projection presse, il y avait 200 personnes, il n'y avait pas un rire sur ce qui doit être l'humour américain. Non, non, c'est un petit peu trop bas de gamme, mais l'ensemble du film n'est pas très comique. Non, c'est pas très comique, et surtout, c'est un très bon metteur en scène, oui. C'est bien fait, et c'est là l'intelligence de Tom Cruise qui fait ça avec Pamela, son adjointe, c'est-à-dire que chaque série, c'est le cinquième, et à chaque fois, il choisit son metteur en scène, il choisit le metteur en scène lui-même, donc c'est-à-dire il connaît la personne qui va le mettre en valeur et il se met en valeur, parce que ça c'est à la gloire de Tom Cruise. Ceci étant donc, quoi qu'on puisse le reprocher avec aussi un féminisme un petit peu outrancier quelquefois, et beaucoup dans de tout le cinéma produit. Action, absolument, l'action américaine, c'est quand même un spectacle que l'on regarde, parce qu'il y a des effets spéciaux, il y a des choses quand même qui... Mais ensuite, quand on a terminé, on ne se souvient pas de grand-chose. Hein, ça passe. Mais c'est quand même un film d'action qu'on peut aller voir. C'est un bon spectacle. Enfin, ouais. Et en tout cas, des films d'action sortis ces derniers temps, on n'a pas cité celui sur cet Américain ou Super Pouvoir, enfin, ouais. Peu importe. Ouais. De tous les films d'action qui sont sortis ces derniers temps, c'est, à mon avis, le seul qui puisse mériter qu'on aille le voir à défaut d'autre chose. Tout à fait. Ce qui est déjà... Pas si mal non, que ce ça. Qui est bien, c'est un bon divertissement. Faut pas oublier que on demande au cinéma aussi de divertir. Exactement. Alors en parlant de divertissement, quelques films à ne pas voir et un film à voir absolument, mon cher Frédéric. À mon avis, oui, c'est un film encore iranien parce que chaque année je découvre un film iranien. Celui-là s'appelle Red Rose. C'est l'histoire de. Ça se passe pendant la révolution. Alors c'est très spécial comme film parce que c'est dans un huis clos. La plupart du temps, bon, on voit des manifestations, tout ça, ça a été. Alors ce sont des archives, hein, mais qui sont beaucoup d'archives qui viennent qu'on voit sur un écran de télévision ou sur un mobile qui ont été enregistrés. Mmh. On voit d'ailleurs que c'était la révolution qu'il y a eu quand en 1988, si mes souvenirs sont bons, 89, quand il y a eu l'élection du président de la République en Iran, qui a été très contestée parce que manifestement il y a eu des magouilles. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on appelait la vague verte et il y a eu énormément de gens dans la rue, etc., etc. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 25 ans, qui se réfugie parce qu'elle est poursuivie par les flics, etc. Et puis par les fameux Pazaran, qui se réfugie chez un homme qui a une cinquantaine d'années, qui ouvre sa porte, ils sont plusieurs, elle a oublié quelque chose, elle revient, mais en fait, cet homme-là l'intéresse, cet homme-là a 50 ans, et c'est un duo d'amour, c'est un film d'amour entre les deux, mais sur fond de révolution, avec en même temps cette femme, les deux acteurs sont impeccables, je donne pas les noms, ils sont imprononçables, personne ne les connaît, mais ils sont très bons tous les deux. C'est un film qui est fait par une iranienne, ça s'appelle Sepideh Farsi, d'ailleurs, c'est quand même la langue iranienne. Et c'est vraiment remarquablement fait parce que c'est en même temps cette histoire d'amour entre les deux. Ils sont très différents, totalement différents. C'est entrecoupé par cette révolution qu'on voit parce que lui, on a compris qu'il a été révolutionnaire en son temps aussi parce que ce n'est pas la première fois qu'on s'oppose à des régimes iraniens. Oui. Mais qu'il est très sceptique là-dessus. Il est très réservé. Il est très en deçà. Elle est assez mutine, le drague d'une façon
très amusante et intéressante, et en même temps très intelligente. C'est bien fait, c'est vraiment un film bien fait qui change de nos cinématographies. Il n'y a pas de bêtises dedans, il n'y a pas de choses non crédibles. C'est vraiment du beau cinéma, du bon cinéma. Et à la fin, il y a une fin aussi qui est assez extraordinaire, qui est un renversement dont je ne parle pas naturellement. Je pense que ça, ce sont des films qui sont à voir. Absolument. Et absolument. Et ce sont des films bon, qui sortent sur 10-20 salles, donc 10-20 copies, pas beaucoup plus. Donc dès que ça sort, il faut aller le voir. Donc on se dépêche d'aller voir Red Rose. The Red Rose. Quelques films à ne pas voir en 30 secondes, mon cher Frédéric. Deux ou trois films qu'on peut éviter. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre éviter Red Rose, bah on a dit ça. Ah, La Volante aussi, oui. Ah, La Volante. La Volante, c'est un film qui est à nouveau un film français avec une actrice très connue. Avec Nathalie Baye. Nathalie Baye. Alors, je veux pas être méchant, mais le metteur en scène a une qualité, une très grande qualité, c'est qu'il manie remarquablement sa caméra et la couleur. Mm-hmm. Parce qu'il nous met des couleurs rouges, sombres, qui créent une atmosphère. Ça, je remarque, c'est quand même très important, la qualité de la photo et la qualité des éclairages. Ça, c'est remarquable. Mmh. Par contre, il fait quelques erreurs. Les quelques erreurs, malheureusement, c'est de prendre quelques gros plans de notre amie Nathalie Baye. Qui a passé l'âge et... qui a passé l'âge, c'est-à-dire qui est allée un petit peu trop en chirurgie esthétique. Et ouais. En gros plan, ça se voit. Donc, il faudrait que... S'ils veulent mettre en valeur les acteurs qui commencent à avoir un certain âge, surtout les actrices, il faudrait peut-être qu'ils fassent attention à ça. Ceci étant, le sujet était prometteur, très prometteur. Au début, c'est très intéressant. C'est l'histoire d'un homme cadre qui est là, qui écrase un gamin par hasard, accidentellement. Donc elle, Nathalie Baye, c'est la mère du gamin. Elle n'a jamais pu encaisser, c'était son seul enfant. Et 8 ans après... Elle réussit à rentrer dans la même société que la personne, elle est son assistante, donc elle rentre dans sa vie professionnelle, on s'apercevra après, je vous le dévoile pas, comment elle rentre aussi dans sa vie privée, et tout ça, c'est pour couver le gamin, pour faire un petit peu le gamin de substitution. Mais de là, il va y avoir des crimes qui sont totalement incompréhensible, sauf si elle est névrosée, mais comme ça n'est pas possible. Quand il y a des difficultés, le metteur en scène, il fait une ellipse. Par exemple, elle va assassiner quelqu'un dans la bibliothèque, quelqu'un qui est très proche, donc il n'y a pas d'enquête. On ne parle pas d'enquête après, etc. Elle n'a pas de gants, etc. Donc, on lui demanderait automatiquement. Bon, donc on passe, vous voyez. Donc, c'est encore ces choses-là qui sont... Et ça se termine en gore, carrément. Donc, la première partie du film, on se dit, oui, on va avoir un bon thriller, un bon film, intéressant. Cette femme qui on ne sait même pas si elle veut se venger, non, elle veut récupérer l'enfant, mais l'enfant de l'autre, d'une certaine façon. Ouais. Et ensuite, ça tourne, à mon avis, au vaudeville, quoi. Donc, un film assez... Donc, je ne recommande pas. Assez peu recommandable. Alors, on va terminer sur deux choses. D'abord, sur un film dont on a très rapidement parlé juste avant les vacances, qui était Vice Versa, qui passe encore, qui est un joli film pour les jeunes et pour les moins jeunes. Moi, j'ai... vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je sais que vous ne l'avez pas vu, Frédéric, mais il faut aller le voir. Alors, c'est un dessin animé, mais qui fonctionne tout à fait bien, y compris pour les adultes. Et puis, une autre annonce, qui est notre ami Fabrice Hurly, qui est à l'Olympia avec son spectacle qui s'appelle « Des concertos pour un seul homme », qui était venu ici nous le présenter avant les vacances, je crois dans l'émission 57 ou 58, mais donc avant le mois d'août. Et on se retrouve pour parler de cinéma, mon cher Frédéric, très bientôt. Très bientôt, absolument. Pour reprendre nos bonnes habitudes de la rentrée avec vous, qui j'espère serez de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, parce que vous savez qu'il ne faut jamais oublier la parité de nos jours. À tout de suite pour la suite de l'émission et à bientôt pour un nouvel épisode de Je file au cinéma avec vous, Frédéric. Bonjour amis de TV Liberté, nous avons la joie de recevoir ce matin le grand écrivain Laurent Lagartempe. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pour un livre tout à fait étonnant, Don Quichotte à l'assaut du conformisme, et c'est publié aux éditions de Paris. Ce livre
Chers amis de TV Liberté, est tout à fait étonnant. Peut-être d'abord présenter le reste de votre œuvre parce que ceci va expliquer cela. Vous avez écrit, Laurent, un certain nombre de livres sur le Coran et sur les barbaresques. Absolument. Celui qui m'a le plus intéressé, tous sont passionnants, celui qui m'a le plus intéressé, c'est celui qui raconte comment tout le pourtour de la Méditerranée est devenu barbaresque et a perdu cette richesse, cette verdure, cette richesse de civilisation qui était la sienne. La culture gréco-romaine. La culture gréco-romaine. Quand au 7e siècle est arrivé le prophète. Ça, vous le décrivez extraordinairement et vous décrivez pourquoi. Comment ça s'est fait Cette région s'est désertifiée en quelque sorte. Alors, culturellement. Culturellement. Et économiquement. Et économiquement et géographiquement, puisque tous ces rivages maintenant sont. Terriblement on retrouve sec. Maintenant ces villes ruinées, il y en a en Pagaille, il y en a en Turquie, il y en a absolument, en Tunisie, en Algérie. Ces villes étaient florissantes autrefois, absolument. Avant le 7e siècle. Et d'ailleurs, ils ont tendance à vouloir ressusciter ces villes pour faire venir le tourisme. Absolument. Les touristes. Et alors, vous avez eu envie de traiter Don Quichotte en vous disant… Oui, alors, ça m'est arrivé comme ça. J'avais écrit ces 5 livres sur l'islam. J'en avais un peu assez, il faut bien le dire. Je me suis dit, je vais me payer une récréation. D'autant que je connaissais Don Quichotte comme tout le monde le connaît, si vous voulez. Et je me sentais un peu Don Quichotte. Voilà. Donc, je me suis dit, il faut quand même que je me plonge là-dedans. Et je retombe sur le monde musulman. Pourquoi ? Parce que Don Quichotte était en plein dans ce monde musulman. Oui. Il en a souffert. Rappelez-nous la biographie de Cervantes que nous autres Français, nous avons tendance à oublier. Il faut dire que sa biographie, jusqu'à une époque très récente, était mal connue. Oui. Donc il y a des excuses. Oui. Mais maintenant, elle est très bien connue, donc il faut la consulter. Don Quichotte, donc, c'est un noble, enfin… Hidalgo. Oui, un Hidalgo de modeste origine qui a quand même fait ses études à Salamanque et il s'est engagé très tôt, à l'âge de 20 ans, dans l'armée pour aller se battre en Méditerranée contre les musulmans. Et alors, ensuite, il s'est trouvé à la bataille de Lépante. Ouais. Oui. L'analogie entre, oui, entre les deux, oui, maintenant. Oui. Eh bien, c'était donc en 1572, je crois. Oui. Et là, il a été distingué comme héros. Il a même reçu une blessure. Et on l'appelait ensuite le manchot de Lépante. C'est vous dire qu'il est resté célèbre. Donc, il est resté encore dans la marine quelque temps, 2 ou 3 ans, je crois. Et paf, un jour… Il est fait prisonnier. Il reste 5 ans. Dans les geôles. Dans les bagnes d'Alger, qui sont de véritables goulags. Qui sont terrifiants. Et effrayants. Qui sont les goulags de l'époque, oui. Et ce sont des goulags où il y a essentiellement des chrétiens. Bien sûr. Parce qu'il y a la rafle sur toutes les côtes. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il a fait 3 tentatives d'évasion. Il n'y a pas réussi d'ailleurs. Il y avait son frère également qui a été racheté lui avant lui. Et finalement, il a été racheté lui aussi. Et ensuite, il est devenu un peu écrivain. Il écrivait beaucoup de… Alors, voilà ce Don Quichotte j'ai envie de paraphraser et de contredire Shakespeare. C'est une histoire de fou, mais qui, elle, signifie quelque chose. Oui, le problème de la folie est très intéressant dans Don Quichotte parce que certains ont essayé d'identifier son type de folie d'après le panorama typologie. Classique, oui, la typologie. Mais en réalité, si vous voulez, il est à côté parce que il est ni schizophrène ni psychopathe. On pourrait croire que c'est un psychopathe, si vous voulez, parce que il est très brutal, etc. Oui. Mais à part ça, en réalité, il est très sage. Voilà. En réalité, il est très sage.
Il est, oui, absolument. Mais il y a deux volets en lui. Il y a le Don Quichotte exacerbé, excité, et puis le Don Quichotte qui redevient, alors Quichana, c'est-à-dire le gentilhomme qui vit tranquillement dans son village. Dans la Mancha, qui vit de chasse et pêche, qui a une servante, qui vit tout à fait. Normalement. Voilà. Mais alors, l'étonnant, c'est qu'il passe d'un personnage à l'autre. Et alors, quand il n'est plus le Don Quichotte furieux, il peut devenir, n'est-ce pas, un conférencier. Il fait une conférence un soir. Alors, il y a des sujets, oui, il y a des sujets extraordinaires. Il y en a un, par exemple, sur la suprématie des armes sur les lettres. Absolument. Parce que si les armes n'instaurent pas la paix, eh bien, les écrivains ne peuvent pas vraiment travailler. Exactement. Et donc, avec ce texte, vous envoyez un léger petit coup de patte aux pacifistes, aux écrivains, absolument, aux écrivaillons pacifistes qui prônent la paix, alors que, qui prônent le pacifisme. Alors qu'évidemment, dans un pays qui est en guerre, on ne peut pas écrire. Alors, mais vous dites aussi que kiroté, en araméen, ça veut dire vérité. Oui. Alors, quelles sont ces vérités, Laurent Lagertampe? Alors, c'est, évidemment, on peut difficilement les résumer, mais disons que le tempérament de Don Quichotte a été quand même assez bien vu en général, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a horreur du mensonge, qui a un goût, si vous voulez, horreur du mensonge, et puis qui a un cœur d'or, voilà. Donc c'est un peu les deux aspects. Il veut le bien de l'humanité. Il veut le bien de l'humanité, il veut protéger les faibles, oui. C'est ça la chevalerie. Oui. Voilà. Et alors, c'est donc le fond de son tempérament, avec, appuyé sur la féminité, c'est-à-dire la dulcinée. Oui, ça, on va en parler parce que c'est très important. On en parlera peut-être, mais c'est fondamental chez lui, si vous voulez, parce que finalement, pour lui, la loi, c'est seulement Dieu. Et Dieu, alors, c'est lui qui l'interprète. Attention, ouais. Il laisse à personne le soin d'interpréter. Qu'est-ce que lui dit de Dieu, ouais. À un moment donné, il dit d'ailleurs, même le Cid a eu des remontrances du pape. D'un air de dire, le pape n'avait rien à voir, il aurait dû se taire, c'était le Cid qui avait raison. Vous écrivez, ce livre symbolise le tragique oubli par l'Espagne du siècle d'or et de son héroïsme. Alors, il faut déjà dire ce qu'est le siècle d'or. C'est classiquement, si vous voulez, c'est un nom qui est venu après. Oui. Enfin, je l'utilise parce que c'est tellement commode, si vous voulez. C'est la période de 1550 à 1650. Donc, le Quichotte apparaît en 1605. C'est absolument au milieu de cet âge d'or. Qu'est-ce que c'est cet âge d'or, d'ailleurs? On a appelé âge d'or du point de vue culturel, du point de vue des arts, beaucoup plus que la richesse. Mais évidemment, il y a le côté richesse aussi, puisqu'à ce moment-là, l'Espagne est d'une richesse incroyable. Tout afflue vers Tolède, de l'Amérique, à cause de la découverte de l'Amérique, etc. Oui. Et puis à cause de la victoire définitive et de la reconquête. Les Espagnols sont de nouveau maîtres chez eux. Absolument. Voilà. Mais remarquez, ils s'y sont depuis plus longtemps qu'on ne croit, parce qu'on dit toujours 1492, mais en réalité, la véritable grande victoire, c'est 1212. C'est oui. Navas de Tolosa. La Navas. Et après, il n'y avait que le petit royaume de Grenade qui était là, mais l'Espagne était chez elle depuis ce temps-là. Donc il y avait longtemps. Et alors, les chevaliers qui ont tellement lutté, n'est-ce pas, pendant 5 siècles. Qui se sont montrés des véritables héros qui ont souffert mal mort. Alors, c'était autrefois. C'est un peu les anciens combattants, si vous voulez. Voilà. Alors, les anciens combattants, il faut. La mentalité ancien combattant, c'est de se taire, si vous voulez. Parce que, d'une part, le syndrome ancien combattant, c'est de dire d'abord, ce que j'ai vécu, je vous ne peux ne pas pouvez le communiquer. Pas, non. C'est un peu les gens du goulag, si vous voulez. Du goulag ou de la Shoah. Oui, oui. Et ils se sont tués pendant longtemps parce que c'est tellement pénible et ils ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas raconter. Et d'un autre côté, eux, ils ne sont pas les héros. Les héros, c'est ceux qui sont morts. Bien sûr, oui. Donc, vous voyez, donc, il y a un syndrome très, très pénible qui conduit à se taire. Et c'est ce qui a fait tort aux chevaliers. Les chevaliers sont oubliés. Ils sont ridiculisés dans des romans ridicules, n'est-ce pas? Et alors, le grand contresens à ne pas faire, qui est fait quelquefois, c'est que on dit que Don Quichotte, et le discours est fait pour décrier la chevalerie. Et pas c'est tout à fait l'inverse. Seulement,
C'est un peu, c'est Cervantes qui en est un peu responsable, parce que il est très malin, si vous voulez. Et il y a toujours un double discours chez lui. Il dit une chose, mais pas en dessous, il y a autre chose. Voilà. C'est ça qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous nous décryptez, en fait, Don Quichotte, cet homme, ce chevalier à la triste figure, qui croit voir les morts rassemblés dans la plaine, alors que ce sont des troupeaux de moutons, et qui fait d'un plat à barbe un casque. Alors les moutons, évidemment, c'est les réminiscences des grands combats d'autrefois. Ouais. Et il nomme tout un tas de personnages, d'ailleurs avec des noms un peu burlesques, parce qu'avec lui, l'humour ne perd jamais ses droits. C'est pour ça que je me suis tellement régalé à écrire ça. Oui. Alors vous régalez d'autant mieux que vous utilisez une langue particulière, vous utilisez une langue très... très populaire, une langue des jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée ? Je me suis demandé jusqu'où je pouvais aller, parce que ça n'est pas mon habitude, si vous voulez. Seulement, ça, c'est le personnage. Faut dire que Don Quichotte lui-même est assez truculent parfois. Il se gêne pas pour faire des plaisanteries un peu osées ou grasses ou bien. Mais le personnage qui est beaucoup plus populaire, c'est évidemment Sancho Panza. Oui. Et alors, ce Sancho Panza, moi, je me suis aperçu qu'on ne parlait pas assez de lui. Alors, il tient une place là-dedans, par exemple, dans les dialogues. Les dialogues entre Don Quichotte et Sancho Panza sont extrêmement intéressants et ils sont très abondants. Oui. Il y a, si vous voulez, j'ai fait un calcul rapide, 16% sont des dialogues, enfin des passages où Don Quichotte s'exprime lui-même. Ouais. Et Don Quichotte, lui aussi, il est 10%. Ouais. Il est très bavard. Ouais. Et alors, finalement, on gagne à connaître Don Quichotte par l'interaction des deux personnages. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut à la fois extraire le caractère de Don Quichotte en fonction de Sancho Panza et de Sancho Panza en fonction de Don Quichotte. Et vous montrez combien les deux hommes, bien que totalement différents, se comprennent parfaitement. Absolument. Parce qu'ils sont tous les deux catholiques. Absolument, absolument. Et alors, c'est très frappant parce que ça reflète un peu, si vous voulez, ce qu'était le rapport, la relation entre le seigneur et le laboureur autrefois, qui étaient dans un même village, et qui n'étaient pas du même monde, mais qui vivaient ensemble et qui, en le fond, avaient un peu les mêmes valeurs. Voilà, les mêmes valeurs de celui qui est très instruit et de celui qui n'est pas instruit, mais comme dit Sancho Panza, j'ai beau être un fruste, je sais me tenir. C'est tout à fait ça. C'est le couple de Don Juan et de son valet. Peut-être, oui. Mais plus que ça, parce que vous avez le côté paysan, villageois, alors que dans Don Juan, c'est plus la société urbaine, si vous voulez. Oui. Alors, je vais donner un exemple de cette langue et de ce style. N'exagérez pas. Hein. Parce que c'est quand même, c'est quand même étonnant de réalisme. Alors, vous faites aussi allusion à ces deux grands écrivains du temps précédent de Cervantes, qui sont Erasme et qui sont Thomas More. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Erasme et son éloge de la folie ? J'ai découvert ça à travers la folie, si vous voulez. Je me suis souvenu que Erasme avait écrit, c'était Dame Folie, il donne la parole à Dame Folie. Mmh. Donc, ça rejoint un peu Quichotte parce que lui aussi utilise la folie d'une certaine façon. Et Erasme l'avait utilisé d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps être un peu excentrique, il faut sortir des conventions, il faut rire, n'est-ce pas? Et c'est ça qui m'a fait faire l'analogie. Et j'ai découvert que Cervantes avait étudié Erasme. Erasme, c'est 100 ans avant, si vous voulez. Donc, c'est un siècle avant, presque. Ouais, Et c'est un autre ton. Mais c'est également
Alors, cette folie, si vous voulez, voilà. Alors, il faut situer ça par rapport à la Révolution aussi. On peut dire, c'est un anarchiste, c'est un révolutionnaire. Non, pas du tout. Lui, si vous voulez, aussi bien les structures politiques que les structures juridiques, quand il fait évader les forçats, n'est-ce pas, c'est pour ridiculiser la justice. Oui. C'est du Daumier pour lui. Les juges, c'est les personnages de Daumier, si vous voulez. Oui, on y pense, oui. Mais lui, Don Quichotte, il n'est pas du tout persuadé qu'il faut fiche tout ça en l'air. Non, non, non. Il faut c'est pas changer, un radical. Il faut changer les hommes de l'intérieur, vous voyez. Voilà la chose profonde qu'il y a dans Don Quichotte. Encore, c'est donc pas... encore un message évangélique. Absolument, absolument. Okay. Eh bien oui, c'est pour ça que je parle aussi à un moment donné de saint Paul, qui lui aussi a fait référence à la folie. Et à l'homme puisqu'il nouveau. Puisqu'il a dit, c'est folie pour... Les... C'est folie. Voilà, oui, il a employé aussi ce mot. Et vous faites il y a un passage très, très joli qui évidemment, la manière Quichotte n'est pas celle de Jésus, encore que, avec les marchands du temple, il y avait eu une jolie castagne. Mais Jésus, lui, il n'avait pas morflé, même que personne n'avait osé lever le petit doigt pour le contrarier. Quel homme ! Vrai homme, mais aussi vrai Dieu. Alors, à côté de lui, pauvres humains, on n'est pas de taille. Don Quichotte, lui, quand il s'en prend au marchand tolédan, ça se passe pas comme ça. Et s'il se mêle de justice, tout de suite, il a tout le monde sur le dos. Le Sanhédrin, la Sainte Hermandade et tout le tremblement. Évidemment, évidemment, il n'y a pas de comparaison à faire, mais quand même, quand même. Quand on voit le pauvre Hidalgo entouré de rigolards alors qu'on le croit mort, on ne peut s'empêcher de penser à Gethsemane. Ah. Ça, c'est fantastique. Alors, la femme, dites-nous, c'est des personnages de femmes assez extraordinaires. Et là aussi, un regard en comparaison avec l'islam, la situation de la femme dans l'islam. C'est une moitié du Don Quichotte, voilà. Les femmes. C'est une moitié, il n'y a pas que les aventures de Don Quichotte. Il y a, pendant presque la deuxième moitié du livre, il y a cinq portraits de femmes qui sont fascinants, si vous voulez. Et c'est raconté évidemment à la mode du XVIe siècle, avec un style un peu empoulé, où il y a des gens qui se cachent derrière les rideaux, etc. On se glisse des billets, enfin, vous voyez, c'est pas cette mode, un peu, tout ça. Mais l'analyse est très profonde, et j'y ai vu, si vous voulez, des réminiscences, des anticipations de la princesse de Clèves et des liaisons dangereuses. Oui, oui. Parce que ça apprend énormément sur la psychologie féminine et le rapport homme-femme. Et ce rôle immense qui a été souligné par Régine Pernoud, la femme éducatrice de l'Occident. Absolument. Au Moyen-Âge. Mmh. Et puis, dernière question, Laurent Lagartamp, pour ce livre donc édité aux éditions de Paris, Don Quichotte à l'assaut du conformisme, vous terminez les 30 dernières pages en écrivant Socorso Cervantes, au secours Cervantes. Pourquoi ? Eh bien, alors, c'est tout le parallèle. Alors, évidemment, c'est d'un bout à l'autre de mon livre, je fais ce parallèle en faisant la confusion quelquefois. C'est-à-dire qu'au lieu de dire l'auberge, je dis le... comment s'appelle sur les autoroutes le... Oui, oui, le motel. Le motel. Je fais la confusion, si vous voulez. Et c'est d'autant plus remarquable. Il faut regarder une carte. Et il faut s'intéresser à la biographie de Cervantes, qui est fascinante, et dont il y a un reflet formidable dans le livre, et il faut s'intéresser à la géographie. Et on s'aperçoit, si vous voulez, sur la géographie, que ce petit village de Belmonte, dont il vient, il fait un parcours est-ouest. Mmh. Et ce parcours est-ouest, en direction de Port-Lapis, qui est probablement un motel sur l'autoroute, Madrid-Cordoue. Oui. Alors, ces deux, d'un côté, vous avez l'autoroute qui va vers Cordoue, Séville et Cadix, et de l'autre, vous avez vers Albacete. Les deux côtés, les deux mers. Oui. Et alors, à ce moment-là, déjà, il y avait un trafic énorme sur ces deux routes. Oui. Et maintenant, ce sont deux autoroutes. Et Port-Lapis, qui est nommé là-dedans, est toujours présent. Oui. Et alors, il va vers... Si vous voulez, il vient de sa campagne tranquille et il va vers l'endroit où ça bouge. Oui.
Et l'endroit où ça bouge, c'est comme maintenant, c'est excessif. Alors, évidemment, les moulins à vent, ce sont les éoliennes, etc. C'est facile. La critique du monde contemporain, du monde marchand, du monde de la finance. Et puis aussi, de nouveau, comme Don Quichotte, et c'est pour ça que vous le disiez tout à l'heure, vous vous sentez un peu Don Quichotte, vous voulez alerter les contemporains sur cette extraordinaire danger que représente la progression. Je ne sais pas si je peux dire, c'est un peu José Bové qui va saccager le supermarché à Millau. Ah oui, c'est une bonne idée. Il est un peu comme ça, vous savez, c'est le moustachu. Oui, c'est une... Il est très Don Quichotte, si vous voulez. Absolument. Mais il y en a bien d'autres, bien d'autres. Hein. Ah oui. Merci beaucoup, Laurent Lagartempe. Ce livre est très précieux parce que vous nous faites comprendre ce livre qui a eu un succès immédiat et dont le succès ne désarme pas jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours, chez les gens qui lisent. Merci beaucoup, Laurent Lagartempe. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Don Quichotte, à l'assaut du conformisme. Et le conformisme, il est de tous les temps, aux éditions de Paris. À très bientôt, j'espère que vous reviendrez pour TV Liberté. Merci. À tout de suite, amis téléspectateurs, pour une autre chronique de Perles de Culture. Bonjour à tous et bienvenue dans Perles de Culture, et tout de suite nous filons avec une jeune historienne de l'art qui s'appelle Astrid Colonna. Bonjour Astrid. Bonjour Maxime. Bienvenue. Toute jeune mais déjà très douée, et nous allons parler aujourd'hui, non pas comme on l'a fait si souvent, d'expositions dans le sud de la France ou en Aquitaine ou que sais-je encore, nous allons rester dans le Marais. Et proposer à tous ceux qui n'y sont pas d'y venir pour aller voir deux belles expositions qui sont Astrid. Alors, à la table du Moyen-Âge, dans la tour Jean sans peur, et puis thé, café, chocolat au musée Cognac-Jay, donc dans le Marais, juste à côté du musée Carnavalet. Voilà, donc on reste dans les plaisirs de la table. Alors, la tour Jean sans peur, en deux mots, on rappelle quand même ce que c'est. Alors, c'est une tour qui est le dernier vestige de l'hôtel des Ducs de Bourgogne, qui a été construit entre 1409 et 1411 par Jean sans peur. Et il s'agit effectivement du dernier vestige. Il faut noter la très belle voûte de l'escalier à vis, très belle voûte avec des feuilles de lierre, un vrai vestige de l'art gothique parisien. Mais à part ça... Et il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on a l'impression que Paris est peuplé de bâtiments médiévaux, mais en réalité, des vrais bâtiments médiévaux à Paris, il n'y en a quasiment pas. Même les églises en réalité sont toutes assez postérieures et en tout cas très remaniées, donc de bâtiments purs dans son jus du Moyen-Âge avant le 15e siècle, il n'y en a quasi pas, et la tour Jean sans peur est, comme vous le disiez, un des rares, très rares vestiges. Donc on y va pour la tour Jean sans peur, mais en revanche, vous me disiez en préparant l'émission que l'exposition, il s'agit en fait de grandes pancartes qui expliquent un petit peu tout le déroulé des repas, comment ils s'organisent, les règles à respecter, la nourriture, les recettes. Donc c'est très intéressant, mais c'est un petit peu comme lire un livre sur la cuisine au Moyen-Âge, et finalement, il y a très peu de reconstitution, donc à part regarder l'escalier à vis et sa très belle voûte végétale, non, ne pas y aller. Donc on en profite pour aller voir la très jolie tour Jean sans peur, pour se promener dans le Marais et trouver un bon restaurant où, contrairement au Moyen-Âge, on aura des couverts, ce qui est déjà un progrès phénoménal. Effectivement. Puisqu'au Moyen-Âge, on n'avait pas, en tout cas, pas de fourchette. Juste le couteau. Juste le couteau, puisque la fourchette était la représentation du diable. Et donc, on s'essuyait sur les nappes. Et enfin, bref, c'était un bonheur. Justement, on nous explique que ce n'est pas tout à fait sur les nappes qu'on s'essuie, mais sur des nappiers qu'on mettait. Il y a beaucoup de détails, en revanche. Donc, c'est très intéressant, mais c'est lire un livre. Donc, on nous donne beaucoup de détails sur les coutumes qui sont aussi bien en Italie ou bien en France, qui en France, celle du Nord différent de celle de la Provence, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est pas intéressant pour les enfants plutôt? Parce qu'un livre, ça peut être un peu rébarbatif pour les enfants. Est-ce qu'on peut pas en profiter pour emmener ses enfants et leur expliquer la table au Moyen-Âge? Et donc pourquoi il faut bien se tenir à table aujourd'hui? Parce qu'on n'est plus comme au Moyen-Âge? On se tenait très bien à table au Moyen-Âge, effectivement, il y avait de très nombreuses règles, beaucoup plus que je ne le pensais avant d'y aller. Pour les enfants, oui, pourquoi pas, il faut quand même, je pense, avoir de bonnes compétences d'animation pour soutenir 30 panneaux de lecture.
Bon, donc quand même, vous voyez, Astrid, vous-même, vous avez trouvé du positif dans cette exposition, donc ne soyons pas trop durs. Une autre dans le quartier, hein, c'est l'occasion de faire une jolie promenade dans le quartier en ces jours de grande chaleur, c'est évidemment le musée Cognac-Jay qui propose, je vous laisse le dire, ma chère Astrid. Une très très belle exposition qui s'intitule Thé, Café, Chocolat, qui est donc au musée Cognac-Jay, juste à côté du musée Carnavalet. Il s'agit d'une exposition qui retrace l'arrivée des boissons exotiques, de quelle manière elles arrivent dans l'Hexagone, de quelle manière elles vont se développer, et également quelles sont les conséquences, tant iconographiques dans la peinture, mais également les conséquences dans l'évolution des formes pour tout ce qui est de la vaisselle, des objets d'art, donc principalement de la vaisselle en l'occurrence. Et le travail des manufactures comme celle de Meissen, puis après en France avec celle de Sèvres. Les Sèvres, absolument. Alors disons quelques mots quand même de l'arrivée du thé, du café et du chocolat qui sont des bouleversements de société majeurs, puisque avec le thé, c'est aussi un moment de convivialité ou de sociabilité différent qui apparaît en Angleterre, en France, en Allemagne, etc. Alors dites-nous, chère Astrid, faites-nous saliver et dites-nous en quoi cette boisson qui nous paraît absolument banale, digne d'un petit déjeuner à la cuisine pour des enfants turbulents, a changé l'Europe continentale au XVIIIe siècle. Alors le thé, c'est très intéressant parce que cela témoigne de l'attirance pour l'anglomanie, en fait, pour toutes les traditions anglaises dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et effectivement, on connaît aujourd'hui l'attrait des Anglais pour le tea time à 5 heures, mais à l'époque, on prenait le thé à toutes les heures, à chaque repas, donc le matin, dans l'après-midi et le soir. En revanche, le café et le chocolat sont beaucoup plus franco-français. Le chocolat est venu grâce au mariage de Louis XIV avec son épouse Marie-Thérèse, et les Habsbourg avaient le contrôle de l'ensemble de la culture du chocolat jusqu'à ce mariage. Marie-Thérèse étant... Alors, chocolat, il faut le rappeler, hein, qui vient de d'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud, Cortés en a ramené des graines au roi Charles Quint. Voilà. Et puis donc nous l'avons fait développer dans les Antilles françaises. Et pour ce qui est du café, nous l'avons fait développer sur l'île Bourbon. Et le café va connaître un très grand succès en France, notamment le café au lait, qui selon Madame de Sévigné devient tout de suite le petit déjeuner officiel de la noblesse et de la haute bourgeoisie française. Et pour ce qui est de l'attrait du chocolat, il faut savoir que ça va entraîner donc également de nombreuses formes nouvelles et que le chocolat se prend sous forme de pâte. C'est pas du tout le chocolat à croquer comme maintenant. Oui, alors on peut peut-être justement aborder cette question des formes, hein, parce que du coup, pour retracer les choses, vous l'avez dit, hein, le café est antérieur en fait, le café lui est plutôt du 17e. D'ailleurs, ça me fait penser à ce film qui était assez navrant, mais qui n'était pas si nul que ça, qui s'appelait Sur les mousquetaires 20 ans après, avec la jeune Héloïse d'Artagnan qui arrivait, et puis un frondeur parmi tant d'autres se faisait arroger le monopole du café, dont il trouvait qu'il était formidable parce que les gens étaient addicts ensuite au café et que du coup ça procurait des recettes absolument phénoménales. Donc n'y voyez aucun lien avec le monopole des tabacs ou autre chose d'État. Mais c'était quand même assez amusant parce que finalement c'est dans ce 17e là que le café arrive en France et qu'il commence à s'imposer comme étant une boisson d'élite avant de se démocratiser bien sûr beaucoup plus tard. Et justement comme vous le disiez, c'est une boisson à première vue, enfin utilisée en tout cas dans un premier temps à des fins médicamenteuses, on appelle ça des alicaments, et effectivement on appelle le café la boisson des philosophes puisqu'elle permettait de se maintenir éveillé, et selon les médecins et Sylvestre Dufour, un très grand marchand de l'époque, on pensait que le café favorisait la mémoire, donc permettait d'apprendre énormément tout en restant éveillé. Donc tous ces gens qui, en classe prépa, se bourrent de café, sont en fait des gens qui s'inscrivent dans cette lignée Exactement. De Sylvestre Dufour pour travailler leur mémoire. Exactement. Alors, parlons des formes maintenant. Chocolatière, cafetière, théière, alors, service à thé, service à café, service à chocolat. Faites-nous rêver. Voilà. Alors, et dites-nous aussi quand on voit les images. Alors, il y a un très joli service qu'il faut noter et je pense qu'on en verra l'image. Il s'agit d'un service à décor de grisaille avec les portraits du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Il s'agit d'une manufacture de Paris, une manufacture qui a offert au comte d'Artois ce service en vue d'obtenir son patronat, puisque, comme vous le savez, avant il s'agissait uniquement de Sèvres qui avait le monopole notamment de la peinture dorée. Et donc,
les manufactures indépendantes parisiennes, comme celle du Faubourg Saint-Louis, il fallait absolument obtenir le patronat d'une grande famille, en l'occurrence le futur comte d'Artois. Et chacune, notamment la cafetière, est ornée d'un portrait, d'un double portrait en médaillon de la reine Marie-Antoinette et de Louis XVI. Les tasses sont ornées de portraits des sœurs de Louis XVI, comme celui de Madame Élisabeth, mais également de sa tante qui était entrée au Carmel. Il y a également des portraits du comte et de la comtesse de Provence. Ah, donc c'est toute la famille, en somme. Toute la famille est représentée. Rappeler aussi, c'est qu'à l'époque, évidemment, au XVIIIe siècle, hein, c'est un grand foisonnement, notamment dans la porcelaine, puisque c'est là qu'on commence, en tout cas en France, à savoir faire de la porcelaine qui tient à peu près la route à Vincennes, puis ensuite à Sèvres, mais aussi, vous le disiez à l'instant, chez les princes, puisque par exemple, les Condés à Chantilly font travailler une porcelaine qui sera un peu oubliée après, mais qui a eu sa petite heure de gloire, et puis même dans les faïenceries, dont certaines sont protégées par des grands personnages, on travaille aussi ça, et peut-être d'ailleurs que cette mode du thé, du café ou du chocolat a contribué à leur essor, parce que c'est plus facile de s'offrir 12 tasses que de s'offrir 24 assiettes. Effectivement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît assez intuitif. C'est vrai. Et puis surtout, c'est que, comme vous le disiez, on arrive à ce moment-là à faire une porcelaine qui tient à peu près la route, et on est héritier des formes qu'on retrouvait en Orient, notamment en Chine, puisque lorsque le café est importé notamment par les Turcs en France, et lors d'une ambassade très très connue en 1769, il y avait l'émissaire de Mehmet Kat qui offrait du café dans des petites tasses, des petites soucoupes chinoises, et donc finalement les manufactures françaises n'ont eu de cesse de reproduire ces formes et la finesse de l'engobe et des décors chinois et orientaux. Alors au-delà des décors, parlons aussi de la forme, puisque certains le savent aujourd'hui on a tendance à mélanger un peu toutes les formes et à se servir de n'importe quelle verseuse et de n'importe quel mug en guise de tasse à orangeade ou à thé. Même les Anglais d'ailleurs font ça les premiers, puisque quand vous allez en Angleterre dans une famille qui n'appartient pas à la haute société, vous avez droit au mug aussi bien pour le verre d'eau que pour le jus d'orange et pour le thé bien entendu, qui se prend en sachet contrairement à l'usage. Donc disons un mot des formes, on va en voir j'imagine à l'écran. Quelle est la différence entre une théière, une cafetière, une chocolatière, et quelle est la différence entre les tasses? Alors, comment les reconnaît-on? L'exposition n'explique pas justement toutes ces différences. Elle va plutôt s'attacher sur, par exemple, le fait que Meissen va ajouter l'anse sur les formes de ces théières, par exemple. Alors Meissen, hein, on le dit, c'est une des premières manufactures de porcelaine en Europe, qui est en Saxe, et non pas en Allemagne, enfin... L'Allemagne, ça n'existe pas au XVIIIe siècle en tout cas, et c'est elle qui est à l'époque la meilleure, et c'est d'elle qu'on s'inspire pour créer Vincennes puis Sèvres. Meissen est le seul grand concurrent à la porcelaine française, en tout cas à mon sens, mais je suis un peu chauvin, comme vous le savez, puisque vous regardez souvent l'émission. Donc, je vous en prie, je vous ai coupé Astrid, mais continuez. Donc, pour ce qui est des formes, en revanche, les tasses que l'on voit lors de l'exposition sont plutôt des tasses à café. On voit très peu de tasses à thé. Donc, pour ce qui est des formes, vous le savez, ce sont des tasses circulaires, plus petites que les tasses à thé. Pour ce qui est des tasses à chocolat, elles ont exactement la même forme. Et pour les services dans leur ensemble, le service se compose de plusieurs éléments. On va appeler, il y a des trembleuses, il y a également... Donc la théière, on peut trouver également la cafetière. Le service, il n'y a pas un service à thé, un service à café. Souvent, il s'agit d'un ensemble d'objets qu'on retrouve dans le même service. Et surtout des petits pots à lait, peu de sucriers finalement. Et pour toute une diversité de formes, surtout une diversité de décors, notamment tous ceux qui apparaissent au XVIIIe siècle. Et en revanche, c'est peut-être le défaut de l'exposition. On explique peu justement tous les tenants et les aboutissants de ces formes et tout le développement chronologique qu'il y a dans les décors. On explique un petit peu le rôle des peintres, notamment dans le cadre des manufactures illégales qui étaient poursuivies par les policiers, etc. Mais finalement, peu de renseignements. Beaucoup d'objets, mais peu de renseignements dessus. C'est intéressant à voir, surtout qu'il faut quand même avoir conscience que ces objets-là n'étaient pas forcément des objets faits, en tout cas ceux de plus grand prestige, faits pour être utilisés tous les jours. Mais c'est aussi des objets de prestige qui consistent à étaler quand on reçoit
fois ses amis les plus chics, un beau service en Sèvres pour 24 personnes, ou au contraire offrir à sa fille un service égoïste en Sèvres superbe pour son mariage dans une très grande famille, mais c'est évidemment pas forcément ce dont le grand public se servait tous les jours, non, et même pas. Ce dont les propriétaires de ce genre de service se servaient eux-mêmes tous les jours, à l'exception peut-être des princes ou des plus riches financiers, puisqu'évidemment ça valait très cher. Acheter Sèvres, ça voulait dire avoir l'accord du roi au préalable, hein, donc c'est quand même pas la boulangère du quartier qui pouvait se permettre de le faire. Donc c'est forcément un produit de luxe et un produit démonstratif. Et d'ailleurs, la haute bourgeoisie, quand elle ne peut pas s'offrir ce type de service, va s'offrir des peintures dans lesquelles elle se fait représenter utilisant ce type de service. Alors, avec... ça, je suis très heureux que vous en parliez, parce que je voudrais qu'on aborde l'autre sujet maintenant de l'exposition, qui est celui de la représentation du thé et du café, comme du repas en général, qui commence à vraiment apparaître, en tout cas en France, au XVIIIe siècle. On pense tous à ces deux tableaux qui sont à Chantilly, qui étaient à Versailles autrefois, le déjeuner d'huîtres et le déjeuner de jambon, qui sont des scènes de la vie dite familière de la cour. Et c'est vrai que on se fait représenter aussi en buvant le thé, le café, le chocolat, ou à proximité, en tout cas, d'un service à thé, café, chocolat, ce qui montre que c'est quelque chose qui est un marqueur social ou un signal positif qu'on envoie. Comme vous le disiez, on se fait représenter en tant que tel sur des tableaux. En revanche, le déjeuner d'huîtres ou la scène de repos de chasse ne sont pas, enfin, il s'agit peut-être plus d'un idéal, probablement pas nécessairement ce que même dans la noblesse on pratiquait tous les jours. Et assez justement, il y a un très joli tableau de Chardin représentant donc une nature morte, dans lequel sur la droite du tableau, effectivement, il y a un plateau sur une petite table sur lequel est posé l'ensemble des du service à thé, du service à chocolat. Et puis cela fait écho au tableau de Carcassonne. Il y a le pendant de ce petit tableau de Chardin se trouve à Carcassonne. Et en revanche, celui de Carcassonne est daté de 1756. Celui du musée Cognac-Jay est un petit peu plus flou dans son attribution. On trouve également de jolis portraits de Madame de Pompadour ou de diverses scènes intérieures présentant justement des familles de la haute bourgeoisie ou de la noblesse prenant le thé. Et quelques aussi gravures très intéressantes présentant les corporations avec les limonadiers, les premiers restaurateurs de cette fin du XVIIe siècle. Merci beaucoup Astrid, donc une belle exposition, exposition. Au musée Cognac-Jay. On y va et on se pourlèche déjà les babines à l'idée de prendre le café avec vous. J'espère. Et entre amis, parce que j'espère que vous irez, chers téléspectateurs, avec vos amis et votre famille, voir cette jolie exposition qui effectivement est très belle, et redécouvrir le musée Cognac-Jay si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir avant. On va dire quand même, avant de se quitter, un tout petit mot du musée Cognac-Jay. Donc le musée Cognac-Jay s'est fondé par Monsieur Cognac et son Madame épouse. Jay, qui était lui propriétaire de la Samaritaine et elle... son amoureuse, qui était, je crois, d'ailleurs vendeuse au Elle a commencé comme vendeuse au c'est petit peu, bénéfice. Voilà, c'est un peu l'histoire de Zola. Et tous les deux n'ont pas eu d'enfants, mais n'ont eu de cesse de construire leur magasin, d'être aussi les parents, en quelque sorte, de leurs employés, hein, puisqu'il y avait un programme social extrêmement développé à la Samaritaine autrefois. Qui est toujours mis en place. Qui existe toujours, alors même si la Samaritaine depuis a fermé. Et surtout un prix pour les familles, pour encourager les familles nombreuses, qui existent encore aujourd'hui, même si les dévaluations successives font que 100 euros aujourd'hui n'est pas tout à fait représentatif de ce qu'étaient les sommes données au 19e siècle, qui étaient tout à fait conséquente, et surtout, ils ont donné à la ville de Paris leur maison personnelle, qui était donc le musée Cognac-Jay, qui se compose essentiellement d'éléments de décor du XVIIIe siècle, mobilier, boiserie et objets d'art, et d'une très jolie collection de tableaux aussi du XVIIIe. Alors non pas tant des grands tableaux type tableaux de chasse, tableaux de souverain, etc. Mais on est plutôt chez eux dans l'intimité. Donc ça va être des portraits, ça va être des scènes de genre, ça va être vraiment les choses qu'une famille entre guillemets ordinaire peut avoir chez elle au XVIIIe, qui évoque souvent la famille, la parentalité. Une famille aisée, parce qu'il y a quand même une très belle collection de bouchers. Une famille de très haut niveau, on est d'accord, mais on n'est pas du tout dans la représentation d'une forme de pouvoir. Non, hein. Ça reste un musée très intime. Ça reste très intime. Alors, on peut dire un mot aussi du déménagement du musée, hein, puisque 1980. Au départ, le musée était juste à côté de ce qu'on appelait la Samaritaine de luxe, qui était en fait à la Madeleine. Et comme vous le savez,
si vous écoutez souvent notre antenne, la ville de Paris étant très fidèle aux dons qu'on lui fait, elle a décidé de liquider l'immeuble en question et donc de déménager le musée Cognac-Jay dans l'hôtel d'Aunon, qui est dans le Barret. Un hôtel du XVIe. Un très bel hôtel du XVIe siècle. Le lieu est tout à fait charmant, la localisation est formidable. Pour moi, il y a quand même un problème majeur, c'est que présenter une collection 18e dans une maison du 16e, ça a à peu près autant d'allure que de marier sa fille en jogging, pour la bonne et simple raison que vous avez par exemple à un étage ce grand salon, où finalement il est fait pour avoir deux fenêtres et puis avoir deux portes à chaque bout, sauf que l'espace ne s'y prête pas, donc les portes sont recomposées, les fenêtres sont recomposées. Du coup, les meubles ne sont pas mis tels qu'ils devraient l'être dans une maison du XVIIIe siècle. Donc les meubles sont très beaux, les tableaux sont très beaux, les boiseries sont très belles, mais contrairement au musée Camondo, où on est vraiment dans une maison telle qu'on imagine qu'elle aurait été au XVIIIe siècle, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait le cas, au musée Cognac-Jay, on n'y est clairement pas, mais ce n'est pas grave, puisque la collection est quand même jolie, et à mon avis, on peut passer d'ailleurs le message aux conservateurs, on pourrait présenter les meubles d'une façon un tout petit peu différente. Les meubles ne sont absolument pas mis en évidence, et il y en a d'ailleurs quelques-uns, notamment une très jolie commode d'Auben, qui, elle, est en réserve, probablement là, en l'occurrence, pour des problèmes de sécurité. C'est vrai, mais il y a aussi une très jolie collection de miniatures, et d'orfèvrerie, de pièces d'orfèvrerie montées, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc on peut en profiter pour aller la voir, parce que c'est une des plus jolies qu'on puisse voir à Paris après celle du Louvre. Ils en avaient d'ailleurs fait une exposition sur les tabatières. Très belle exposition il y a deux ans. Donc on peut aller voir ça, c'est pas ouvert évidemment tous les jours et toutes les salles ne sont pas ouvertes tous les jours parce que nous sommes dans un musée de la ville de Paris, et si la ville de Paris mettait assez d'argent pour ouvrir toutes les salles des musées qu'elle possède en même temps, ça se saurait, mais on y va quand même à propos de cette exposition et pour revoir le musée. Merci beaucoup Astrid, on a débordé un petit peu, mais c'est l'été, donc je suis sûr que nos téléspectateurs ne nous en voudront pas, d'ailleurs on est habillés à la cool, voilà, et on se dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Perles de Culture.